Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Donc nous voici dans la suite de The Last of Us 2 avec Ellie. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les petites cloches de notification pour savoir quand je mets mes nouvelles vidéos. Et puis bah allez, c'est parti! Bon, allez, hop, on va rentrer dans ce gars, dans ce grand garage, hein. Faire un petit tour, on va regarder ce qu'on a de beau à récupérer. Munitions, ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on a encore? On va aller regarder dans le petit local derrière, on sait jamais. Il y a une salle de classe, il y a un tableau. Ah, oh, nickel, des ressources, ça c'est cool. Bon, il n'y a rien de plus. Voilà, d'accord. Du papier. Enfin. Pas du papier. Là, on a quoi d'autre? Que des vélos. C'est con qu'on peut pas utiliser les vélos. Les vélos, ça aurait été cool. Bon, on va regarder ce qu'on peut améliorer. Qu'est-ce qu'on va prendre? Plein, fil à pompe. Fusil, non, bien. C'est bien le fusil. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur le fusil? La stabilité, la capacité, l'unité. Allez, hop, la stabilité, ça ira bien. Voilà, ça c'est fait. Et une chose de faite. Le reste, on peut rien faire parce que j'en ai plus. Alors, par contre, je peux faire encore un kit médical, je vais voir, mais bon. Là, il m'en reste combien? 4. Donc, on ne pourra rien faire là-dessus. Recul, on a le recul, on s'arrête là. Allez, hop. On va pouvoir faire le petit kit ou le... Ou faire ce que je viens de faire qui est le silencieux, voilà. J'avais plus de silencieux, par contre j'avais encore des kits médicaux. Kits médicaux, désolé. Bon. C'est parti. Il faut qu'on aille rechercher notre ami Tommy. Alors ensuite, par où c'est qu'il faut qu'on passe? Pas le choix, on va grimper. J'ai regardé. Là-bas, on peut pas aller, hein. C'est coincé. C'est trop haut. Je vais faire un petit tour du proprio là-dedans pour voir ce qu'on a de beau à récupérer. Il doit avoir. Il doit en avoir en pas loin vu le grognement que j'ai entendu. Et merde, c'est en puant. Ah, ça, c'est pas de veine. On va essayer de le contourner, ce serait bien. Ah, par contre, il y en a encore un autre là. C'est quoi l'autre? C'est juste un claqueur ou c'est un infecté? De toute façon, pas le choix, hein. Va falloir y aller. Ah, on va d'abord essayer de voir la porte si elle est ouverte là. On peut passer à derrière. Ah, putain, c'est fermé. Bon, pas le choix, on est obligé de passer là-bas. Hein. Ah ouais, c'est ça. Bon, il est de dos, donc ça va le faire. L'autre, il est derrière la paroi, donc ça peut aller aussi. Allez, de l'alcool, on récupère. Allez, où?
Tant qu'il vient pas entre le bar, ça va le faire. Vu qu'il y a une munition, nickel. Putain, il est rentré l'autre. Il tourne autour de l'autre truc le puant, ça c'est pas cool. Donc on va passer derrière le bar, gentiment, voilà. Et dès qu'il a voilà, dos tourné, on pourra passer. Je pense qu'il est assez loin, comme ça on va traverser, on va se choper l'autre. Il est où? Voilà, viens. Voilà mon petit, tu vas pas trop loin, j'ai pas envie que le puant me voie. Yep. Ni vu ni connu, travail de professionnel. Voilà. En plus il a du tissu, c'est parfait. Et je vais pouvoir faire un kit médical, nickel. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de beau là-dessus? Alors... Qu'est-ce que cela nous dit? Salut Dave, va passer et te demander le code du coffre, mais accompagne-le plutôt au garage et ouvre-le lui toi-même, sinon il va te reposer la question 8 fois le code 730 82 65. Faut parler à sa femme, je sais qu'elle a envie de croire que ça va s'arranger, etc. etc. C'est surtout le numéro du coffre qui est intéressant, qu'il faut pas planter. Alors sinon, qu'est-ce qu'on a encore de beau dans cette cuisine à récupérer? Là, des petites pilules. Bon, bah on peut sortir, hein, je crois. Se méfier, il doit bien y avoir quelque chose dehors. Bon, après, je pense qu'il faut qu'on grimpe. Ouais, on n'aura pas trop de choix, à mon avis. Ah ouais, ça en arrivait par là. D'accord. Bon, bah on va grimper, hein. C'est quoi ça? Ouh, des flèches. Bon, si on a des flèches, je pense qu'on va réussir à récupérer un arc d'ici peu. Ce serait vraiment chouette. Appuyez sur X en visant pour utiliser la lunette. Voilà, bonne portée quand même, hein. Y a rien à dire. Wow. C'était quoi? C'est une bonne question. On va les regarder, hein. Alors. Ah, il y a eu une explosion. Oh merde. J'espère que c'est toi qui as fait ça, Tommy. Il y a de fortes chances que ce soit lui, hein. Ensuite, alors par où on va? Où on a désinfecté par là, dis donc. Alors j'en vois 1, 2 et 3. On va les contourner par là. Et on va s'en occuper un par un. Et en plus, il avance vite, le cochon. Et on va d'abord s'occuper de l'autre. Hein. C'est celui-là qui est le plus près. On va d'abord s'occuper de lui, vu que les autres sont loin. Allez hop, rien de moins. Là, il est prêt aussi, c'est parfait. Viens là, fous pas le camp, reste par là, bouge pas. Allez hop. Et de deux, et le dernier, il est là-bas au fond. Donc je peux faire un petit tour vers la voiture pour voir s'il y a quelque chose. Et on va aller gentiment se le choper.
Allez hop, viens par là, mon petit. Et snip. Dimension furtive. Ah, en plus, il a encore une paire de ciseaux, donc c'est parfait. Pour faire des petites bombes ou quelque chose, c'est royal ça. Ensuite, là-dedans, qu'est-ce qu'on a de beau? Première vue, pas grand chose, même dans la petite armoire, c'est vide. Bon, bah tant pis. Pas où on va. Le coffre, non, il n'y a rien. La maison là, elle est fermée, on peut pas accéder. Oh, un petit grill, une petite côtelette. Bon, bah faut qu'on passe par-dessus là, je pense. Hein. C'est le seul endroit pour continuer, j'imagine. Allez hop, c'est parti. On a passé. Pour l'instant, il n'y a pas de méchant. Ni d'infecté. Par contre, le jacuzzi, il n'est pas terrible. Il est laissé un petit peu à l'abandon. Alors. On a vu, il n'y a personne dans la villa. C'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau par là? Une petite lettre. Ah non. C'est quoi? Pour les soldes d'automne, ok. On a 25% de réduction. C'est chouette. Après, du tissu, ça c'est bien. Tiroir, qu'est-ce qu'on a? Des A. Munitions, c'est bien aussi. Là-dedans, c'est vide. Manque de bol. Les kits, on est plein, donc c'est bon. Après, qu'est-ce qu'on a de beau? Là, il y a des petites ressources. Les 42 stimulants. Donc, on peut faire une amélioration. Pas des ressources, en fait, c'est des stimulants. Ok. Bon, alors, qu'est-ce que je peux faire en plus? Pas ici, là je peux rien faire. Par contre, je peux confectionner des fumigènes. Ça peut être cool ça. Ok, donc on a fait des fumes, on a pour faire des fumigènes. Le journal avec quoi? Rien de bien passionnant. On quitte tout. Pas vu une lettre. Qu'est-ce que c'est cette lettre? Yolanda, je suis désolé, je ne pourrai plus m'occuper d'Alfi. Tu avais raison au sujet des Wolves. Finalement, ils sont encore pires que l'armée. Je m'attendais pas à ce que nos propres voisins se liguent contre un des leurs. Ok. Ok, bon, c'est... ouais. Enfin, ce sont des gros, gros méchants. Alors, qu'est-ce qu'on a encore là-dedans de beau? L'alcool. Nice. Bon, pas tout est scellé, donc on oublie pour passer par là. Dans le garage, il y a pas... Oh putain! Ah, oh, je l'ai pas vu arriver, l'enfoiré. Allez, tiens, vas-y, coup de marteau, ça va bien. Oh, tiens. Regardez où il est, l'arc. Allez, hop, donne-moi ça. Ouais,
Ça va le faire. Pas mal. En arc, bon, on n'a pas beaucoup de flèches, on en a que deux. Ah non, quatre. Sur six. Bon, on peut confectionner pour en avoir plus. Voilà. Bon, par contre, après, on n'a plus de ciseaux. J'ai vu, il y a un truc qui clignote là en dessous. Voilà. Parfait. Et sur l'étagère, qu'est-ce qu'on a de beau? Des munitions. C'est plein. Bon, on va ouvrir gentiment ensuite la porte. Déjà, on peut rien refaire parce que j'ai rien. J'ai pas assez pour construire quelque chose. Bon, on va déjà ouvrir la porte pour pouvoir sortir. Pourquoi pas des mannequins? Ah. Pour l'arc. Con comme façon d'utiliser les mannequins. L2 et R2. Oh, pas mal. Toi. C'est pas mal. Alors, là, il est loin. Déplacement réduit la puissance de l'arc. Restez immobile pendant votre charge. Une fois récupéré votre flèche après un tir. Vous pouvez parfois récupérer la flèche après le tir. Ok. J'assure toujours. Pas mal, c'est pas mal. Là, c'est mieux. Bon, ça c'est plein, mon truc. Je crois que je pourrais avoir 6 flèches, non? Que 5? Oh la merde. Bon, bah c'est pas grave, hein. Par contre, on passe. Ah, on passe par là-haut, on dirait bien. Sur une chaise, en plus avec des claps. Est-ce que tu l'as vu? Je sais pas, mais l'autre est pas loin. Ah merde! On cherche deux intrus! C'est quoi toute cette fumée? Il a fait sauter un de nos camions. Et comment c'est possible? Contente-toi de les retrouver. Trouvez-moi ces putains d'intrus, ok? Bon, comment on va procéder? D'abord le clap, ça serait bien. D'abord son maître, puis après le clap. Ça, clap salé. Voilà. Comment c'est pour ne pas me sauter dessus? Surtout le clap, c'est pour ne pas me sauter dessus et me bouffer. Parce que je peux au moins récupérer mes flèches. Une, oui. Ça s'arrête là. Alors, bon, je vais pas récupérer la deuxième. Par contre, l'autre, il est dans la baraque. Ah, il y a une bouteille en haut. Parfait. Il est en haut. Qu'est-ce qu'on a de beau? Ah. Ciseaux, on dirait. Nice. Ensuite. Ah, pas grand-chose. Bon, il est où? Il est quand même un peu loin pour essayer de le viser avec ça, avec la flèche, hein. On sait qu'il y en a encore un là. En même temps, on va regarder s'il y a quelque chose d'intéressant à prendre en même temps.
Alors. Là, on en a d'abord en haut et l'autre est juste là derrière. Il y a un cabot avec. Furtivement. Allez hop. Merde. Un petit coup. Chiotte. Allez, putain de chien. Allez. Je vais te fumer. Allez, 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 allez. Bon, on va courir pas le choix et puis on va essayer de le planter. Voilà, ça c'est fait. Caps, nickel. Voilà, les deux c'est fait. Par contre, j'ai plus de flèches et je suis en mal en point. Maggie, vite, un petit coup de médoc. Il est où l'autre? Là. Là, il y en a combien? 3 qui arrivent. Celui-là, il est niqué. Plus que 2. Oh putain, je l'ai pas vu arriver, salope. Tiens. On commence à planter. Ah putain, j'ai plus de mun. Merde. Mais tiens, ramasse. Entendu. Merde. Allez, allez. Voilà. Je l'ai fait. Je l'ai fait aussi. J'ai quasiment plus de munitions. Ah, une machette, ça c'est bien. Qu'est-ce que je peux prendre? Rien. Rien qui est intéressant. Par contre, je peux faire un kit médical ou le silencieux. Le silencieux. Là, le kit, il me reste 2, donc ça devrait le faire. En tout cas, pour l'instant. Bon, par contre, faut que je trouve des munitions. On va y aller tranquille, parce que je suis sûr qu'il y en a encore un ou deux qui doivent traîner quelque part. Ah, attends, reviens. Il y a au moins une flèche. Il y en a une autre là en haut, voilà. Allez voir ailleurs. Alors, où c'est qu'ils sont? Ils sont pas tout près. Alors, par où que vous cachez? Ah. Je crois que c'est dans la maison qu'ils sont. Mais bon, on va d'abord regarder un petit peu ailleurs avant. Vu qu'ils sortent pas, on est tranquille. Bon, sur ceux-là, il n'y a rien à prendre. Qu'est-ce qu'il y a à prendre là-dedans? Putain, ça monte. On va essayer d'y aller en loose dé gentiment par derrière. Ah merde, il m'a vu. Ah mais bon, je l'ai eu avant qu'il donne l'alarme. Donc ça c'est fait. Oh putain. Bien tenté. Allez, tiens dans la tronche, voilà. Quand même 3 balles il m'a fallu, hein. Qu'est-ce qu'il y a encore à prendre? Kit médical, c'est bien. Là. Des petites pastoches. Je crois que je les ai tous eu en fait. Ah, c'est vide et il n'y a rien. Fais chier. Du tissu, c'est déjà ça. Il y a bien un qui va me tomber dessus, là, c'est pas possible. Non. Bon. Un petit tour. Ah, tiens, là. Ok, ensuite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à prendre? Rien. Munition, bien. Bon, c'est pas suffisant. Une cartouche, je vais pas aller bien loin, hein. Je reviens où
Je viens de laisser les... Ah, une deuxième cartouche, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Deux, trois trucs à prendre, mais rien de bien passionnant. Là, on arrive où? Dehors. Ok. Sortir par la fenêtre là. Ah, ils sont là en bas. Ah, les fumiers. Rouge descend le mieux. Si j'arrive à me faire là, on va essayer. Ça, c'est déjà un. Ouais, j'arrive à faire le cabot aussi. Nickel, au moins comme ça il me sautera pas déjà dessus celui-là là après. Il y en a encore un là-bas, je l'ai pas vu. Silencieux, j'ai plus de munitions, ça c'est la merde. Ah, j'ai quasiment plus de munitions, ça c'est. C'est pas le mieux. Dans le garage, il y a quelque chose qui traîne peut-être. Il y a 2-3 trucs à prendre, c'est pas mal. Ils sont où maintenant? Là-bas, en face. Pas vu, j'ai du bol. Il est où? Il est là. Oh putain. Oh, il m'est arrivé dessus. Oh, il a rien compris, le mec. Genre, j'ai pas besoin de changer, je crois. L'autre est encore bon. Putain, hop, celle-là aussi. Hop. C'est vraiment du bol. Parce qu'il me voyait pas. Ou c'est au dernier moment. Limite. Ah, une petite munition. Parfait. Qu'est-ce qu'il y a de beau à la cuisine à prendre? Plein. Ah, l'alcool, ça c'est pas mal. Le tissu. Non, qui monte gentiment. On va laisser venir gentiment. Il veut même pas venir, en enfoiré. Je suis obligé d'y aller. Ah, il est là. Vite, vite, vite. Bingo. T'as rien compris. Voilà. Je crois que je les ai tous su par là. On peut descendre voir ce qu'on a de beau là-bas en bas. C'est de l'alcool, parfait. Chouette.
Un truc qui clignote par là. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces tiroirs? Grand chose, mais deux trois trucs intéressants à prendre. Que je peux construire? Ah, je peux améliorer. Ah, faire des flèches, bien. Deux flèches, je veux pas aller bien loin. C'est déjà deux flèches. Ensuite, on va aller faire un petit tour en haut, voir ce qu'on a de beau. Personne. Non, ça c'est bon les munitions. Ah, là. Avance comment? Pour que je puisse voir par où passer. Et je vais dans l'herbe. Camoufler. Voilà, c'est derrière, elle est plus dedans. Là-bas derrière. Tout gentil, tout gentil. On tire dessus sur un instant. Je vais. Ok. Bon, là j'ai tous eu. Ah, par contre, là au 20 du 1, 2, 3, ils sont 4 ou 5 là-dedans. Ah, ça c'était pas prévu, puis j'ai plus d'armes. Oh la merde. Qui sort gentiment là. On va pas se passer en laisser venir. Allez, viens toi. Hop, choper. Et merde. Un chien ferme mon odeur. Je l'ai vu. Pour quel kleps, faut essayer de le fumer le kleps. On va se fumer. Allez, kleps, merde. Putain, je suis mort là. Je le sens pas. Allez, clap, ça c'est fait. Voilà. On se camoufle. Il est où l'autre? On va d'abord se mettre un petit kit. Parce qu'on a plus de vie. Voilà, ça c'est bon. Il est planqué où? Ah, là. Oui, non, il est à côté là. Enfoiré. Tiens, mon as. Putain, je vais me choper. Il est temps qu'il vite. Là, ça se le prend. Ah putain, allez, tiens, ramasse. Voilà. Celui-là, il est. Je l'ai fumé. Il n'y a plus que lui là derrière. On va recréer un kit médical. Enfin, mieux de menacer. Non, non, je vais pas courir. Je vais te choper. Tu m'échappes. Voilà. Bah, je crois que je les ai tous eus là. Il n'y en a plus. C'est limite, hein. Je vais faire un petit barbecue. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau dans cette baraque à prendre? Un coup de scotch. C'est bien. Ok.
ça, tout ça, c'est pas mal. On a de l'adré, un petit peu d'adrénaline ou de ressources pour la prochaine fois, ce serait cool. C'est plus dur à trouver ça. Ah, ah. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un petit bout de tissu, oh, c'est déjà bien ça aussi. Ah, oh, un kit médical, nickel. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut améliorer ou faire des flèches. On va améliorer mon petit couteau. Alors, ensuite. Par où passe-t-on? Je pense qu'il n'y a pas trop le choix. Bon, on va déjà non, là, on peut pas. C'est par là qu'on est venu. Il y a une porte. Bah, à part ici, je vois pas d'autre endroit où on peut faire le plein. Ça, c'est chouette, ça. Ah, voilà, on parlait d'adré et puis de machin. Donc, c'est nickel. Un petit kit médical, mais je suis plein. Ouais, au final, on peut pas prendre 36 000 trucs. Alors, voilà, ça c'est tout bon. Pourquoi le fusil ou... Ouais, le fusil c'est bien, on va pas prendre l'autre. Oh putain. Allons voir ce côté. Ils sont combien arrivés là? 1, 2. Ah, il y en a que 2. Oh bah ça va. Autant d'escouades pour un seul entre eux. À cause de ce qui s'est passé à l'école et à la station télé. Je croyais que c'était les Scars, ça. Ouais, mais on pense que ces intrus sont de mèche avec eux. Restons sur nos gardes. Viens par là, viens dans les hautes herbes. C'est toujours dangereux, les hautes herbes. Ils l'ont trouvé. On va les aider. La chrétien. Oh non, t'auras pas le temps d'aller le choper, Tommy. Il y en a encore une. Elle est où derrière? Oh putain de plaque, j'ai pas vu. Oh l'enfoiré. Sans la merde, ça c'est pas bon tout ça. Bon, que j'ai. Fais un petit coup de hache à toi, ça c'est bon. Voilà. Puis maintenant, il m'a fait lui. Oh putain, allez. Ah putain, le chien, allez. Merde. Ah putain, je suis fait niquer par le chien. Voilà. Faut chaque fois niquer le chien avant de fumer les autres. Donc, même joueur recommence. C'est parti. On va essayer de se la faire différemment. Pourquoi est-ce qu'on rameute autant d'escouades pour un seul entre eux? À cause de ce qui s'est passé à l'école et à la station télé. Je croyais que c'était les Scars, ça. Ouais, mais on pense que ces intrus sont de mèche avec eux. Restons sur nos gardes. Des flèches comme ça. Ils l'ont trouvé. On va les aider. Non, non, pas le temps, pas le temps d'aller les aider. Allez. L'autre avec son chien, il est où? Allez, mets pour moi. Ah, on va commencer par là. Puis à toi, je te snip. Tu vois quelque chose? Voilà, il n'y a pas lui qui a son chien, on va s'occuper du chien. Voilà, on va être tranquille. Non, là-bas derrière. Je suis sûr qu'il y en a encore un deuxième qui se cache. Ah, il y a encore un chien quelque part. Ramasser ma jolie flèche plein dans la tronche. Ah, je crois que là je les ai tous eus. Hein. Bon, je peux rien prendre.
ça pourra prendre par ici. Rien du tout, c'est juste un passage, on dirait. On va rester sur nos gardes, hein. Pas qu'on se fasse encore avoir. Petit coup d'alcool pour le kit médical, parfait. On a quoi, munitions là-dessus? Non, papier, enfin tissu. Hop, on récupère. On entend la voiture, mais on ne sait pas par où ils sont. Là, on peut pas accéder, c'est barricadé. Là, c'est pas où je suis arrivé avant, ok. Là, c'est où je les ai fumé l'autre, donc c'est pas par là non plus. Par où c'est qu'on passe? En bas par là, en fait, on n'a pas le choix. Alors. Ah, je viens de voir un par là derrière. Putain. C'est nous une flopille. C'est quoi tout ce bordel avec ces intrus? On va choper un vivant pour l'interroger. Non, pas question. Faut pas prendre de risques. Ah non, on va les zigouiller un par un en filature. Chien, il est bien là, mon petit chien. Voilà. Ça, là, on est déjà tranquille. Il y a lui qui est juste là derrière. Appuyez. Il va pas le faire. J'ai plus rien, mais je m'achète. Hein. Ça marche tout aussi bien. Voire mieux que le flingue. Allez, hop, le petit silencieux. Soigne un coup, okay. Être tranquille. Et refaire le kit, parfait. Bon, le seul truc qui manque, c'est les munitions pour le silencieux. Sinon, je suis pas trop mal. Est-ce que je change? Ouais, je vais prendre le marteau. Qu'est-ce qu'on a là? Des munitions. Des ressources. On n'est pas tout pris. Ah, il y en a une qui est juste là-bas en haut. Tiens. Plein dans la tronche, t'as rien compris. Je sais pas d'où c'est arrivé, mais t'as eu mal. Voire très mal. Après, par où va-t-on? C'est intéressant de prendre là. Ouais. Par la fenêtre. Ah, il parle de Tommy, on dirait. Ça fait haut, hein. Par ici, près de la barrière. Tiens.
ce chien aussi. De toute façon, sinon il va faire le tour puis il va me fumer après. Donc quoi qu'à faire, on s'occupe du chien et de son maître. Comment ça? Comment ça il veut de m'en fumer? Non mais... Putain! De la lacrymo! Putain ils sont... Ils sont une chienne! Putain! Juste esquiver de limite! Allez tiens! Oh putain, allez! Non, je sens que je vais me faire fumer là! Allez! Non, c'est mort! Faut que je fasse différemment. Là, je viens de me faire avoir en beauté. Enfumez-la ! Allez, hop, on va se le... J'ai acheté un, ça c'est fait. Allez. Allez, tiens, le 1. Le 2. Le troisième qui se cache. Il est derrière. Là, allez, viens là toi. Tiens. Voilà, ça c'est fait. Par contre, faut se soigner hein, parce que là, c'est pas bon. Alors. Un petit peu. De plein, alors le kit médical, allez hop, on s'en fait vite un petit. Ça, c'est bon. On va prendre le fusil à pompe, c'est pas mal, ça fait plus de dégâts. Et je crois qu'on est bon là. Ouais. Bon, on va grimper. Furtivement, c'est toujours mieux. Il a senti là. J'espère que t'as eu mal, hein. Ouh, une machette. C'est bon ça. Y a rien en plus à prendre. Là non plus, y a rien à prendre. Hop, on descend. Là, ils sont où? Il a l'air d'avoir personne. Pourtant, je les ai entendus. Hein. Ah. Là, derrière. De l'autre côté, bon, nous on a quand même pas le choix, faut quand même qu'on avance. Bon, là il n'y a rien en tout cas. Par contre, je pense qu'on va descendre, puis ils vont tous me tomber sur la gueule. Bon. Allez hop, on descend. Non, c'est qui? Chut, tu peux me dire ce que tu fous là? Oh, tiens donc. Comme si j'allais vous laisser partir seul. Jesse. Où est Dina? Elle est en sécurité. Elle est juste malade. Comment ça, malade? Elle va bien. Elle est partie par là. Oh putain, ils sont nombreux. Deux, en tout cas deux là-bas, sûr. Ça va, tu tiens le coup? Ça va aller. Tes potes me sont tombés dessus. Sans même un avertissement.
Moi aussi, j'aurais tombé dessus. Hein. Dis-moi que t'es pas venu tout seul. Tu m'engueuleras plus tard. L'héros. T'es vraiment trop con, j'espère que tu le sais. Ouais. Bon. Tu vois cette bagnole ? On va leur taxer la casse. C'est ça ton plan ? Il faut qu'on se tire d'ici. Ok. T'es prête ? Non, mais bon, pas le choix, hein. Eh, hey, pas de conneries, hein. Bon, qu'est-ce qui se passe ? On a une intrusion. Je prends celui de gauche. Putain, encore ? Il nous faut plus de sentinelles, bordel. C'est pas à moi qu'il faut dire ça. On peut aller voir cette maison. Ouais. Allez, en avant gentiment, on va se le choper par l'arrière. Ah putain. Il aurait pu dire qu'il prenait de la droite, ça aurait été plus simple. Par contre, elle a au moins des armes, des munitions, c'est déjà ça. Chanel ! Qu'est-ce que tu fous ? Il y en a combien là derrière ? Deux encore ? Allez. Paf ! En plein dans la tronche ! Ouais. Ah, l'autre, en un coup, celui-là il a fallu trois quand même. Hein. C'est pas terrible, mais bon, le but c'est de l'avoir eu. Et ils sont où les autres ? Monte ! Et je monte. Allez hop, allez. Là c'est bien, c'est une mission remontée là. Allez. Ah bah voilà, hop. Un petit coup de couteau et c'est reparti. Prenez le moins un. Un deuxième là. Putain, il y a une putain de voiture après. Allez, vas-y. Ils vont tirer à travers par bruit, c'est pas le meilleur truc. Putain, mais il y en a combien, c'est pas possible. Ah mieux que ça, tout simple. Allez, viens voilà. Bah là on va se filer. Par contre. Voilà. En plein de poteaux. Droit devant, putain. Allez, ça c'est vite. C'est des affriqués, ça c'est pas bon. Oh, moi, il... Ah, c'est pas cool, j'ai pas vu arriver. Allez, putain. Nickel. Ah, pas pour moi. Allez, marche avant, vite. Allez, on se casse, on va nous chier. Allez, tiens, ramasse. Ah, c'est comment il y en a ? Je suis les côtés. Oh, oh, bordel. Bon, au moins, dans l'eau, on est un peu plus tranquille. Hein, mais on va vite remonter avant de crever. Voilà. Pas traîner par ici, on sait jamais. Hein. Merci. Par là. Ok. On arrive où là ? Oh, bonne question. Ah bah on revient en fait au théâtre.
Dina. Salut. Oh, c'est pas vrai. Jessie. Salut, Dina. Oh. Hey. Est-ce que ça va? Faut juste que je me repose un peu. On devrait rentrer à l'intérieur. Ouais. Allez, viens. Doucement. Maria t'a laissé partir? J'ai filé en douce. C'est pas mon genre de laisser tomber mes amis. Il paraît que t'es malade? Non, c'est... seulement des maux de ventre. Allez, viens t'asseoir un peu, d'accord? Non, laisse. Oh, t'es pas obligée de faire ça. Oh, ferme-la. Alors, t'es parti quand de Jackson? Un jour après vous. Mais la neige m'a ralenti en arrivant dans l'Oregon. Ça fait 2 semaines que j'enchaîne les journées de 18 heures pour vous rattraper. Vous avez un peu? Vous avez un peu? Vous avez pas simplement lui faire un cadeau? Non, c'est des plus qu'elle veut. Non? Non? Tout va bien? Ouais, ça va. Ok. Bon, petit retour en arrière. De... ah, 2 ans, quand même. Boudé pour si peu. C'est vrai, quoi. J'oublierais mon propre anniversaire si elle n'était pas là pour me le rappeler. Tu devrais simplement t'excuser. J'ai juste dit que... bon, d'accord. Qu'est-ce qui va pas? Bah, rien, tout va bien. Pourquoi? Je le vois à ta tête quand ça va pas. Je réfléchis juste à des trucs. N'hésite pas si jamais tu veux en parler. Ok. Bon, allez, on va suivre Tommy, je pense. En tout cas, le décor est sympa. Bon, par où c'est qu'il va nous emmener maintenant? Il en reste là-bas. Qu'est-ce qu'il reste là-bas? Combien? Pas beaucoup. Tu veux tenter ta chance? Oh, on peut essayer? Yeah! Je suis d'humeur généreuse. Avec une lunette extra longue, ça peut être cool ça. Tu vois le panneau là-bas? Le rouge. Essaie de le toucher. Ah non, c'est pratique pour les faire sortir de leur cachette. Un peu bas. Plus haut. La balle a le temps de redescendre. Je vois. Pas mal. Et voilà. Le bruit les attire. On est en patrouille, oui ou non? On va s'en débarrasser. Alors, par où c'est qui se promène? En premier là. Non. C'est fait. C'est du bon boulot. Il en reste 2. Voilà, allez. Pas eu. Prends ton... ah, je l'ai eu. Bon, y en a plus. En général, on en trouve d'autres par là, si tu veux continuer. Ah ouais. Ok. Si on peut éclater de l'infecté. D'où est-ce qu'ils sortent? Les hordes passent souvent dans le coin en hiver. Mais il y en a toujours qui perdent le groupe et qui restent derrière. Ils prennent la même route tous les ans? Comme un genre de migration, ouais. Comment ça? Oui, il fait chaud. Tu vois, quand la pression atmosphérique atteint une certaine température, non, en fait, j'en sais foutre rien. Alors, où c'est qu'ils se camouflent, là? Regarde le cabanon. On dirait qu'ils sont en train de descendre. Ah ouais. Pourquoi? Oh, du premier coup, c'est bon. Ah, un animal mort.
Regarde près du pick-up, là. Ils sont en train de bouffer le cerf. Je crois que je l'ai eu. Ah, nickel. Mange ça. Il me plaît bien, ce fusil. Il y en a encore deux. Ça. C'est où les deux derniers? Non, pas là. Juste là. Ah, juste. Ok. Oh, allez. Bingo. Ça m'a l'air bon. Je te parie qu'il y en a par ici. Encore une petite série. Chouette. Et là, près du téléphérique, regarde tout là-bas. Sous les nacelles. Près de la tour. Tu vois? Alors, téléphérique droit en face. Oh putain. 1, 2, 3, 4. T'as ça dans le sang. Il en reste quelques-uns. C'est un peu plus compliqué. Ne te précipite pas. Trouve ton rythme. C'est du bol. Qu'est-ce que tu dis de ça? Nickel. Allez. Ça c'est fait. T'as pris le coup de main. Yes. Il y en a d'autres là-bas. Nickel. Je les ai tous fumés là. En haut. Ah ouais. Il manque un petit peu d'hauteur. Vas-y, reste. Mais il monte alors. Pas évident. Ça sent l'automne. J'aime ça. Cette odeur de feuilles mortes. Bien joué. Je crois que je les ai tous fumés. Ah, j'en vois pas d'autres. Ouais, moi non plus. Dommage. Allez, on s'en va. On va voir si Joël est rentré. Ça marche. Donne-moi ça. Non, je voulais le garder. Il était chouette celui-là. Merci pour la balade. De rien. Honneur aux dames. Je sais que je suis pas censé dire quoi que ce soit, mais... Mais Joël s'inquiète pour toi. Il y a aucune raison de s'inquiéter. Je sais bien, mais bon... Si tu refuses de lui parler, il va forcément croire qu'il y a un truc qui va pas. Et je lui parle. Ouais, enfin, tu pourrais dire plus que bonjour et au revoir. Mmh. Ok, je vais essayer, ouais. Dur à dire. Facile à dire qu'à faire. Hop. C'est vous qui avez fait tout ce raffut? Ah, juste quelques vagabonds. Ellie m'a montré ses talents de tireuse. Alors, ça t'a plu? Ouais, c'était bien. Je vois que... Tu n'as pas encore changé les cordes de ta guitare. Pourquoi? Il faut les changer? Ouais. On t'en trouvera d'autres. Ouais. Il y a un magasin de musique pas loin. Je suis sûr que tu trouveras ton bonheur. De toute façon, ça fait longtemps qu'on doit jeter un œil dans la zone. Je monterai la garde. Qu'est-ce que t'en dis? Ok. Allez, on se tire avant qu'il chante. T'es sûr que tu veux pas venir? Allez, vas-y. Il t'attend. Pour la bonne époque, Ellie et Joël. Ok, on y va. Allez, suis-moi, Ellie. Alors, avec Tommy, vous avez croisé quelque chose dehors? Juste quelques infectés quand on était sur la corniche. Et toi? Pas grand-chose. J'ai trouvé deux coureurs dans une maison. Bon. Jesse m'a dit que tu te débrouillais plutôt pas mal pendant les patrouilles de groupe. Il pense même que t'es prête pour les patrouilles à deux. Mais moi, je trouve que t'es encore un peu jeune. Je tire mieux que presque tous les autres, pourtant.
Et j'ai plus d'expérience que la plupart des nouvelles recrues qui... Si tu penses que t'es prête, je te fais confiance. Ok. Merci. Mais je préférerais que tu t'en tiennes aux itinéraires les plus courts pour l'instant. Juste le temps que tu prennes tes marques. D'accord. Dis-moi, tu te rappelles les... Les comics Savage Starlight, que t'aimes bien? Ouais. Avec Tommy, on en a trouvé quelques numéros, quand on est allé dans l'école l'autre jour. Et alors, ça t'a plu? Tu sais, en fait, je crois que c'est pas trop ma tasse de thé. Le docteur Daniela Starr, elle est plutôt... C'est une sauvage. Ce qu'elle fait au capitaine Ryan pendant leur combat à mort. Ouais. Enfin, il l'avait carrément mérité. Par contre, j'aime bien comment ils font pour s'échapper. T'es trop marrant. C'est cool, les BD et mangas. Bon, il faut le moindre passe-temps possible et imaginable, vu qu'ils ont plus rien. Ouais, ça me va. Eh, paillette, pas de bêtises. Hein. Paillette. Alors. Voilà le magasin de musique. Droit en face. Ouais, nickel. Je le vois. Alors, vite, fais l'aller-retour. Tu veux que je t'aide? Ça va aller. Ah, souci. À mon avis, on peut pas passer par là. Quoi? Bon sang. Avant, on pouvait traverser à la nage. Bah, maintenant, tu peux plus. On fait quoi alors? Si t'es partante, on peut essayer de passer par l'hôtel. Je suis partante. On va bien nous arriver une crasse dans cet hôtel, quand même. Bon déjà, faut trouver un endroit pour accéder. La fenêtre, c'est nettement trop haut. On dirait par là. La porte principale. Normal. Facile, c'est bloqué. Normal, c'est normal. J'ai peut-être quelque chose. Oh, un trou de souris, faut passer. Tu crois que tu peux passer? On peut essayer. Fais attention. D'accord. Allez hop, on rampe. J'y suis! Attends deux secondes! Appuyez R3 pour allumer la lampe de torche. La lampe torche, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Tu vois quelque chose? Je cherche. Il y a une bouteille d'alcool, on dirait. Hein. Pas grand chose par là, hein. Là, c'est condamné. Porte principale. Monsieur Joël, voilà. Là, tu vas pouvoir rentrer. Bonjour. Tiens, salut. Salut. Impressionné? Non. T'es trop maigre. Faut manger, tu sais. De rien. On va faire un petit peu de... On va fouiner un peu là-dedans, quand même. Ellie, par ici.
J'ai trouvé un passage, mais il y a des spores. Mets ton masque. Oh, je suis obligée. Y a que nous. Et si on croise quelqu'un d'autre? Dans le doute. D'accord. Par précaution. On sait jamais ce qui peut arriver. Ellie, si t'arrêtes de porter ton masque, tu vas finir par baisser ta garde devant la mauvaise personne. Je baisse jamais ma garde. Tu l'as dit à personne d'autre, j'espère. Pas à Jesse ou Dina? Bien sûr que non. Ok, tant mieux. T'étais déjà venu ici? Non, on a juste patrouillé dehors. Finalement, je me dis que j'aurais peut-être dû. Peut-être. Il aura fallu explorer l'hôtel avant, au cas où. Au moins, il y a de la munition qui est restée là. C'est déjà ça. Comme ça on est tranquille. Là. Elle aussi. Voilà. Bois. Quel alcool. Qu'est-ce qu'il y a à prendre? Ah, il y a comme des spores. Alors. Joel qui est accroupi là. On va passer par là. Et une lettre. Qu'est-ce que c'est? Alors. Ruby, je suis désolé. C'est dans le groupe. Vous avez submergé hier. N'a plus l'habitude de croiser de nouveaux gens. Je comprends. Ouais, bon. Y a rien de bien intéressant, quoi. Ouais. Tac, tac, tac. Ouais. Vraiment rien d'intéressant dans cette lettre. Il y a combien de temps? Je sais pas trop. Il venait de chez nous? Non. Il nous manque personne à Jackson, à part les ados qui ont disparu l'année dernière. Ah, lui, il est trop vieux. Il devait être seulement de passage. Par là. Il y a un bruit bizarre, je trouve. Allez, viens là. On est en patrouille, non? Ok. On s'en occupe. De quoi? Claqueur, infecté. Claqueur. Ah, le petit infecté qui est ici. Allez hop. Il est venu. J'en ai un autre qui arrive tout seul, gentiment. Allez, hop là! Là, j'ai vu qu'il y en a encore un qui traîne là-bas, on dirait. On va contourner pour voir ça. En même temps, on va regarder s'il y a quelque chose à prendre. Ben voilà, parfait. Encore deux. On dirait deux.
claqueur qui arrive, faut qu'on arrive par derrière gentiment. Élimination fatigue, ça. Allez hop. Ni vu ni connu. Et là il nous reste, je crois juste celui-là là. Ah non, deux. Désinfecté. Viens gentiment vers moi. Tu veux pas? T'inquiète pas, je viens. Voilà. Ah, une petite bouteille d'alcool, c'est parfait. Ah bah, je l'ai là, donc il a dû se faire le dernier. Bon, il est couché là, donc oui, c'est le dernier. Ah, vous êtes franc, parfait. Je crois que c'est fini. On dirait bien. Bon, par des briques. T'as assuré, Ellie. Un bâton. Est-ce que toi je le prends? Non. Bon. J'ai toujours l'autre bâton et à trois si points. Et si on mettait cette histoire de corde un autre jour? Ouais, je pense que ça vaut mieux. Par contre, pour sortir d'ici, il va falloir qu'on continue à avancer. Ouais, et par où? On doit en face, en fait. Pas le choix. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Rien. Ok. Ouais, ça se présente pas mal par ici. Je te suis. Ah, les petits coins comme ça, c'est jamais bon. Il y a toujours quelque chose qui va nous tomber sur le coin de la gueule. Pas vite. On se le fasse en fait, on a pas le choix. Putain, j'ai esquivé deux bols. Oh bordel. En fait, il me suit en fait. Non, il est... Ah putain, il y a quand même désinfecté aussi là. Et tiens. Et celle-là, c'est où là? Nickel. Allez, hop. On va se faire un petit cocktail. Allez, il est où le truc là? Ouais. Là, là, il est bien. Tiens, viens sur la tronche. Fumer, allez, tiens, on va faire face. Allez, allez, allez. Juste, j'ai esquivé de justesse. Voilà. Je suis mort. Oh putain, oh c'est tout ça. Ouh c'était chaud, moins une, on se faisait décapiter la tronche par le colosse. Merci Joël. Oh merde. On a failli y rester. Tu m'étonnes. C'est vrai. Mais on l'a eu l'enfoiré. Ouais, on l'a eu. Ça va? À part la vieillesse, tu veux dire? Non, rien qui résistera à une bonne nuit de sommeil. Vivement qu'on se tire d'ici. Ouais, faut juste savoir par où. On va déjà refaire un petit cocktail, comme ça on est sûr d'en avoir un. Et si jamais il y a deux colosses derrière? Ça va aller. Est-ce que tu dis que ça va aller? Au point de vue, il n'y a rien. On l'a bien défoncé, hein? C'est rare de tomber sur un colosse dans le coin. Ouais.
Jessie et Dina vont péter un câble quand je vais leur raconter ça. Il se passe quoi entre ces deux-là? Ils sont ensemble, non? Plus ou moins. Pourquoi? C'est juste la façon dont Jessie parle de toi. Non, Jessie et moi, on est amis, c'est tout. Plutôt doué pour remarquer ce genre de choses. Peut-être, mais là, tu te trompes. Ben, on verra bien. Ouais, ben... n'espère pas trop. Ouais, espère pas. Vu là, voilà, il y a des munitions par là. Ah, bingo. Sinon, dans les chiottes, il n'y a rien à prendre, à part les munitions qu'on a pris. Elle est où la sortie maintenant? Tu crois que tu pourrais te glisser là-dedans? Oui. Elle est pas bien grosse, hein? Tu vois ce qui bloque? Ouais. C'est bon. Ah. Merci. Ouais. Un claqueur. Hey, Joël. Je crois que c'est eux. Les ados qui étaient partis. Le couple qui s'est enfui l'année dernière. Je crois que t'as raison. Jackson est un endroit merveilleux, mais on ne supportait plus d'entendre les histoires de ces gens qui souffrent partout ailleurs. On voulait sauver des vies, faire quelque chose de bien. Juste après notre départ, on est tombé sur une horde. On s'est fait mordre. On a décidé d'en finir plutôt que de devenir des monstres. Dites à notre famille et à nos amis qu'on est désolés. Adam et Sydney. Je l'ai tué. Mais je suis incapable d'en finir, je suis qu'un lâche. Adam. Bon sang. Ils étaient pas immunisés, eux. Ouais, il faut... Faut aller chercher Tommy et on rapportera leur corps à Jackson. Hein? Quand tu m'as fait sortir de l'hôpital des Lucioles. Tu m'as dit qu'il y avait des dizaines de gens comme moi. Ouais. C'est ce qu'il m'avait dit. Donc ce sont des menteurs. Je connais personne d'autre qui soit immunisé. Et toi? Question piège. Peut-être qu'il le cache. Comme toi. T'y crois vraiment? Tu crois que c'est le moment de discuter de ça? On a voyagé. À travers tout le pays pour me conduire jusqu'aux Lucioles. C'est juste. J'avais 1 million de questions à leur poser. Pourquoi tu m'en as fait sortir avant même que je me réveille? Parce que je les ai laissés faire leur test. Et quand j'ai vu que ça ne donnait rien, je nous ai sortis de là. Comment tu sais que ça donnait rien? Peut-être que si tu leur avais laissé du temps, ils auraient fini par trouver quelque chose. Ils n'ont trouvé aucune solution. Petit menteur. Il n'y a rien qui aurait pu sauver ces gens, ni qui que ce soit d'autre. Je sais que tu voulais que ça se passe autrement, et moi aussi, je l'aurais voulu. Mais c'est comme ça.
Il faut qu'on ramène ces deux gosses à leur famille. À moins que t'aies quelque chose à ajouter. Non. Bien. On y va. Ah, c'est quand même un petit menteur, Joël. Hein. On sait pourquoi il l'a pas laissé faire leur test et pourquoi il l'a sorti. Hein. Sinon, notre chère Ellie mourrait. Il est dans les vapes. Hey, je vais le faire. C'est un mec bien. Pourquoi tu lui as pas dit? C'était pas le moment. Et ça alors? Ça donne quelque chose? Ouais, plutôt. Abby? Non. Cette fille, Nora. Son unité a été envoyée dans un hôpital. J'imagine qu'il récupérait du matériel. Cet hôpital? Ouais. Quoi, t'y vas maintenant? Ouais, c'est notre seule piste. Mais tu peux au moins attendre que Jessie se sente mieux, non? Elle sera peut-être partie d'ici là. Ellie... On sait où elle se trouve. Peut-être que Tommy le sait aussi. Quoi? Non, rien. Ok. Tu veux bien venir m'aider avec la porte? Bon, en suivant la route 5, je devrais arriver jusqu'à l'hôpital. Bon, bah voilà, on va arrêter là pour aujourd'hui. Donc, on a fait une belle aventure aujourd'hui. Donc, dans la prochaine fois, on va aller à l'hôpital dénicher cette Nora. Donc, oubliez pas de vous abonner à ma chaîne ici. Et à tout bientôt, et portez-vous bien. Allez, ciao, ciao.